Euh, ben, je suis euh, thérapeute en analyse bioénergétique depuis environ 40 ans. Et depuis une trentaine d'années, je suis aussi formatrice. Euh, depuis un peu plus de 25 ans, formatrice au niveau international. Et euh, ben voilà, j'ai une pratique privée à Montréal. Et c'est assez intéressant comme je suis venue à l'analyse bioénergétique. C'était une approche dont j'avais entendu parler. Euh, dans le début des années 70. Et euh, c'était une approche qui était assez impressionnante pour moi parce que j'entendais dire que les gens faisaient des catharsis, criaient, frappaient. Et je me disais, oh là là, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait un peu peur. Et j'avais envie d'apprivoiser euh, jusqu'à un certain point cette euh, approche-là. Euh, donc, euh, il s'est trouvé euh, une occasion où je suis allée participer à un atelier avec des collègues à l'époque je travaillais dans un collège comme euh, conseillère d'orientation j'avais des collègues psychologues conseillers d'orientation et euh, on, ensemble on, on était allé participer à un atelier et j'ai immédiatement eu énormément d'impact dès les, les premiers euh, les premiers moments où le formateur ou en tout cas l'animateur s'est mis à travailler corporellement avec euh, un collègue et il y a eu un cri euh, immense, cri de détresse qui est sorti et, et j'ai vu toute la souffrance de cet homme-là et j'ai été extrêmement touchée et si bien que euh, c'était plus tellement le souhait de vouloir euh, maîtriser cette approche-là qui est devenue importante, mais le fait de me dire je pense que moi avec cette approche-là, je peux toucher des zones de ma personne qui sont beaucoup plus profondes. J'avais été en formation avant en psychosynthèse qui intégrait toute la dimension spirituelle qui est toujours importante pour moi, mais je me disais hm, je suis un peu dans les airs et je dois m'enraciner dans mon corps. Et quand j'ai vu ce genre de travail-là, je me suis dit faut que j'aille dans ce chemin-là pour euh, être plus profondément encore en contact avec moi. Alors, c'est comme ça que déjà en 1976, j'ai commencé à, à fréquenter des ateliers d'analyse bioénergétique. Euh, comment je comparerais l'analyse bioénergétique avec d'autres thérapies que j'ai suivies? Euh, j'avais fait, fait toute une thérapie en psychosynthèse dans laquelle on travaillait beaucoup avec l'imagerie mentale et euh, j'étais beaucoup finalement dans ma tête, dans mon imagination et euh, la thérapie en analyse bioénergétique m'a beaucoup confrontée avec les tensions que j'avais dans mon corps, avec euh, le fait que je retenais beaucoup toute ma capacité expressive. Euh, et ça m'a obligée à me confronter à euh, toute une, une manière que j'avais eue de me construire qui était autour de euh, retenir ma vitalité, mon expression pour ne pas déplaire, pour ne pas déranger et par-dessus tout, couper euh, mon agressivité. Qui coupait ma capacité à me mettre en colère contre, contre quelqu'un qui faisait quelque chose de déplaisant. Hmm. L'aspect qui a sans doute été le plus transformateur a été le fait que mon thérapeute me confrontait régulièrement avec ma façon à moi de, justement, de, 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 de me contracter, de me contenir et de ne pas oser exprimer euh, mon mécontentement. Et il est arrivé un moment, et c'est probablement une des séances les plus importantes que j'ai eues avec mon thérapeute, où je ne sais pas ce qui s'était passé durant la séance, mais à un moment donné, je me suis fâchée, j'ai jeté mon argent qui était ce que je devais lui payer, et j'ai quitté la pièce en claquant la porte. Et quand je suis de l'autre côté, je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Euh, » je, je, je viens de, mon Dieu, le, le ciel va me tomber sous la, sur la tête. Mais finalement, la semaine d'après, je suis retournée, et il était encore là, il était encore capable de m'écouter. Et je me suis rendue compte que j'avais eu une fierté d'oser euh, me tenir debout vis-à-vis <laughs> -vis lui et d'oser me fâcher. Et ça, ça a été un point tourné assez important en réalité, parce que ça a commencé à défaire ma structure <laughs> plus extérieure. Et il y a d'autres choses qui sont apparues, d'autres angoisses, d'autres. Mais euh, ben c'est ça. On a travaillé ça un petit peu couche par couche là. Mm -hmm. Euh, ben, moi, l'analyse bioénergétique m'a vraiment aidé à changer euh, mon rapport aux autres, en ce sens que j'étais le genre de personne qui s'adaptait énormément aux autres, qui avait tellement peur de déplaire qu'en en fin de compte, euh, euh, je m'arrangeais pour être toujours gentille, pour être toujours agréable. Et euh, tout le travail que j'ai dû faire en analyse bioénergétique m'a amené. À être beaucoup plus capable de m'affirmer, de mettre mes limites, de dire quand quelque chose me déplaît et finalement d'être beaucoup plus authentique avec les gens euh, et non seulement en surface essayer de convenir, de plaire, de ne pas déranger. Euh, alors l'important pour moi, ça a été aussi, l'autre chose qui a été très importante, c'est la capacité que ça m'a apportée à me référer à mes sensations corporelles comme étant des indicateurs euh, fondamentaux de ce qui m'habite, de ce qui se passe en moi, de quand mes limites sont atteintes, quand est-ce que je dois arrêter. Euh, et aussi ça m'a apporté je pense avec tout ça la capacité en même temps que ma capacité de me fâcher ma capacité d'ouvrir mon cœur beaucoup plus profondément dans les relations que je pouvais établir avec les gens mmh. voilà mmh. ben ce qui euh, m'a fait la personne que je suis devenue mon Dieu, c'est un peu ce que je disais avant, mais je pense que ça m'a obligée à être de plus en plus présente, présente à moi-même, présente aussi à comment les autres m'affectent, comment euh, tout mon organisme euh, résonne avec ce que je peux sentir chez une autre personne, les gens qui sont proches de moi les clients avec lesquels je travaille, les étudiants avec lesquels je travaille aussi. Et je pense que c'est comme si ça m'a euh, aidé à reconnaître que mon corps était comme une grande caisse de résonance somatique et émotionnelle dans mon rapport avec les autres, puis dans mon rapport avec moi-même aussi, avec l'environnement. Et donc euh, euh, apprendre à aussi prendre soin de moi davantage, encore que j'ai pas mal de chemin à faire je trouve malgré tout je vais avoir bientôt 70 ans mais euh, c'est vraiment pas terminé euh, je sens que j'ai encore à apprendre Euh, ma structure caractérologique, euh, c'est pas tellement... Ben, C'est-à-dire, quand on apprend les structures caractérologiques, on pense qu'on s'identifie à toutes les structures. Mais moi, j'avais une structure qui était assez évidente pour tout le monde parmi les caractères dans laquelle je me reconnaissais d'ailleurs aussi beaucoup de façon majeure, euh, mais en même temps euh, il, y a eu, il y avait quelque chose de très drôle parce que je me rappelle d'un atelier où Lowen était venu euh, faire un workshop avec nous et j'étais jeune étudiante à l'époque et je lui avais demandé docteur Lowen est-ce qu'on change de caractère? Est-ce que moi, je vais devenir un caractère plus évolué <laughs> avec le temps il travaille et le travail sur moi-même? il m'avait regardé, il avait souri, il avait dit: Non, non, le caractère, on l'a pour la vie et on fait simplement l'assouplir, mais on vit avec. Et, et de cette façon-là, j'ai vraiment appris euh, à, à, un peu comme euh, ma collègue disait tantôt, à apprécier les qualités aussi de mon caractère. J'ai commencé à le remercier de m'avoir permis de survivre et je lui reconnaissais plusieurs qualités comme celui d'être capable de, de résister assez longtemps à des situations sous pression euh, et euh, ça a ses avantages. Mais euh, j'ai essayé évidemment de l'assouplir euh, pour euh, ne pas en avoir non plus tous les inconvénients, être capable d'en profiter. Mais... Et j'ai appris à avoir beaucoup de compassion, pas juste pour mon caractère, mais pour tous les caractères. Je trouve que ce sont des œuvres de création extrêmement intelligentes et sophistiquées. Et avant que quelqu'un puisse laisser aller son caractère, euh, on comprend que la personne a besoin de sentir qu'elle a des, nou des nouvelles façons d'être dans la vie qui sont plus avantageuses ou plus sécurisantes que cette armure-là qu'on s'est construite. Euh, les exercices, non, on m'a pas demandé la question à propos des exercices, mais euh, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je continue à faire maintenant, c'est d'une part tous les exercices d'enracinement, de grounding et d'ouverture de respiration pour augmenter la charge énergétique. Mais ce qui est encore plus agréable, c'est une fois que j'ai augmenté la charge énergétique, de m'allonger et de laisser les mouvements volontaires circulés. Il y a quelque chose qui fait énormément de bien, qui relâche beaucoup les tensions. Quand on peut. Euh, et Lohan, d'ailleurs, disait ça il disait, ce qui, ce qui guérit, c'est le, le, les mouvements volontaires, la circulation de l'énergie dans le corps, naturellement. Et, et cet abandon-là au mouvement involontaire, aux petites vibrations, c'est quelque chose qui fait ressentir énormément de vitalité. Et il y a quelque chose où je remercie mon corps et toutes mes cellules de leur sagesse. Excellent. Mm. Um, I think that's everything. Merci beaucoup.